Un mot pour terminer du Michel Simès intervieweur. Hein, on rappelle que vous animez depuis plusieurs mois un talk show au titre prémonitoire par rapport au confinement, puisqu'il s'appelle « Ça ne sortira pas d'ici ». Bien vu. Ouais. Cette émission qui fait très bonnes audiences, elle va continuer sur France 2 ? Je ne peux pas vous dire, parce qu'on avait encore des tournages qui étaient prévus, qui sont annulés, puisqu'on invite quand même des artistes qui viennent faire leur promotion pour les concerts, les spectacles et tout. Et comme vous avez remarqué qu'il n'y avait plus beaucoup de spectacles, il y a plus beaucoup de promos, donc on va refaire le point pour savoir si on revient à la rentrée. Mais effectivement, voilà, c'est une émission dans laquelle je m'éclate tellement et dans laquelle on est tellement loin des politiques, des polémiques politiques et basses qu'il peut y avoir en ce moment que ça fait un bien fou d'animer cette émission. Donc j'aimerais bien qu'elle revienne. Mais au-delà de ça, France 2 vous a pas demandé, parce qu'on a vu ça a pu les gêner un peu aux entournures, au plus fort de la crise, le fait que vous ayez une double casquette, à la fois animateur, enfin on va dire dans le divertissement, mais aussi médecin. Ils ont dû reporter une diffusion de Surprise pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Est-ce que France 2 vous demande pas de choisir aujourd'hui il faut être maintenant soit animateur, soit médecin? Alors, puisque vous parlez d'ambiguïté, il n'y en a strictement aucune avec la direction de France Télé, avec Taxis Candilis. La décision de ne pas diffuser Surprise, on l'a prise ensemble. Et effectivement, dans la période qu'on traverse et qu'on a traversée concernant l'épidémie de Covid, il était bien évident qu'il est difficile pour moi de faire des choses un peu plus légères comme « ça sortira pas d'ici » ou comme apparaître dans un sketch de Surprise, alors que le lendemain, il faut que j'explique qu'il faut faire gaffe, que la réanimation, que ceci, il faut que je garde mon image de médecin absolument pendant toute cette pandémie. Après, on verra, la vie va reprendre son cours un jour ou l'autre. Donc après, je reprendrai, puis je vais réfléchir moi aussi à ce que je veux faire l'an prochain.